Bonjour, bonjour chers amis. Je fais ce petit live qui va être long pour parler de la décision de la CAF concernant l'affaire portée par une association de président de club de football camerounais, grief porté à l'attention donc de la CAF concernant un certain nombre de reproches concernant un certain nombre de reproches faits au président de la Fédération camerounaise de football, l'ex-footballeur Samuel Eto'o. Le Cameroun, l'Afrique et le monde entier étaient suspendus à la décision de la CAF suite donc à cette audition de M. Samuel Eto'o. Où il lui était reproché un certain nombre de choses, parmi lesquelles une certaine proximité avec un président de club qui l'aurait favorisé pour la montée en première division. Je pense que c'est ça, avec des coups de fil où on entendait parler de bro et autres. Lui reprocher, entre autres aussi, la signature d'un contrat in situ personae avec une entreprise de jeu de hasard, ce qui serait contraire à l'éthique et aux règles édictées par l'instance fêtière qu'est la FIFA. Et il y a bien d'autres griefs porté contre le président de la FECAFOOT par les acteurs du football camerounais, par les autorités camerounaises, par une partie de la population camerounaise. Donc, Eto'o fils suscite beaucoup de discussions, de controverses, de prises de position. C'est quelqu'un qui est finalement, malgré lui, assez clivant. Dans un environnement propice justement pour la déchirure, c'est-à-dire le football, qui est l'opium du peuple camerounais. OK. Alors, chacun de nous y va de ses arguments, les pros et les contre la gestion de la FECAFOOT, la gestion de l'ex-footballeur international camerounais Samuel Eto'o fils. Et le peuple est finalement divisé en deux catégories, qu'on appelle les hiboux d'un côté, les églisiens de l'autre côté. Églisiens qui veut dire les croyants à un esprit divin, un esprit venant tout droit du ciel, envoyé par Dieu, et d'ailleurs qu'on appelle l'envoyé de Dieu, Samuel Eto'o fils, qui croit en lui, mordicus, quel que soit ce qui peut lui être reproché, ils sont à fond dedans, justement comme les adeptes d'une église, les adeptes de la pensée unique, ceux à qui on dit que Jésus est né de la Vierge Marie. Et ils croient, on vous dit, il faut seulement croire, il ne faut pas discuter. Donc, c'est un peu, pour résumer, la genèse du mot église de Tchinga, Tchinga étant donc le quartier de la ville de Yaoundé où siège la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Et donc, il y a les églisiens, mais il y a donc les hiboux. Les hiboux, enfin, l'oiseau de mauvaise augure qui est là juste pour voilà, annoncer les mauvaises nouvelles, faire du mal, magnifique. Donc, on veut du mal. Enfin, les hiboux veulent du mal
à l'envoyé de Dieu et à tout son troupeau. Ok. Mais il y a maintenant une catégorie de personnes qui doit avoir suffisamment de recul, suffisamment de hauteur pour analyser ce phénomène camerounais qui veut que tout s'arrête et tout s'est arrêté depuis qu'on ne parle que du football. On ne parle que de la gestion du président de la Fédération camerounaise de football. On ne parle plus d'autre chose, on ne parle plus de la société, des maux de la société, des tares de la société, de comment on fait pour sortir d'une situation chaotique, là où d'autres pays essaient de trouver des solutions et essaient d'avancer. Et j'ai décidé de m'adresser à mon collègue aîné, grand frère, estimé, professeur Jean Baébec, qui est un homme qui fait quand même un consensus au Cameroun par ses prises de position sur le plan politique, par son engagement et par sa compétence, sa passion en tant que praticien hospitalier, médecin, formateur, l'excellent traumatologue pour ce Jean Baye. Je n'oublierai jamais que pour ce Jean Baye a posé un acte que très peu d'intellectuels camerounais pose et savent poser, celui du courage et de l'honnêteté, quitte à se mettre à dos le rouleau compresseur d'un État à genoux, mais qu'on dit debout. Parce qu'au Cameroun, vous savez, les autres disent que l'État est debout, mais pourtant il est couché. Pour ça, Jean Baybeck a fait ce que aucun enseignant de la faculté de médecine de l'université de Douala aurait fait s'il était dans la posture de professeur Jean Baybeck. Le jour où, sur le plateau d'Equinox, on lui demandait de confirmer ce que j'avais dit une semaine avant, c'est-à-dire qu'on forme mal les étudiants au Cameroun. Et professeur Jean Baybeck a dit que, en fait, j'ai même circonscrit ce problème à Douala et à la faculté de médecine de Douala. Or, c'est un problème national. Je peux vous assurer que très peu d'enseignants universitaires du Cameroun, et notamment la faculté de médecine de Douala, auraient dit ça. D'ailleurs, aucun d'eux n'aurait confirmé ce qui est une vérité. Donc, c'est la preuve que professeur Jean Baybeck, un homme intègre, sérieux, honnête et qui ne rentre pas dans la compromission. Car la plupart des intellectuels camerounais sont des intellectuels compromis. Pas la force des choses, certainement, mais ils vivent quand même dans le même environnement que Jean Baybeck. C'est pour dire que je reconnais le sérieux de mon collègue. Je reconnais son courage dans un environnement qui n'est pas facile. Mais quand je ne suis pas d'accord avec lui, je dis que je ne suis pas d'accord avec lui. Et pour le coup, j'ai une certaine difficulté que je vais exposer ici, là. Et je voudrais simplement dire à l'opinion publique, à ceux qui pensent comme une de mes patientes qui peut-être est en train de me regarder ou bien va me regarder, une de mes patientes que j'ai vue hier en consultation et dans la discussion, elle m'a dit, prof, il faut les laisser, le pays est pourri, vous perdez votre temps, vous faites les directs de 5 heures, déjà je vois comment vous êtes très occupé, c'est pas évident. Salut Douala Ngando,
C'est pas évident. Perdez pas votre temps. Mais laissez-les pourrir. Ils veulent ça. C'est comme ça et tout. En plus, vous faites laissez les Patrice Numa, les Paul Shuta, j'ai pas aimé non, dénoncer et tout. Mais vous, ça vous apporte rien. Je l'ai écouté et j'ai dit ceci, et je redis. Une nation qui s'efface face à des injustices est une nation qui est amenée à disparaître. Une nation qui a des intellectuels qui tournent le dos aux vraies questions de la société, de leur société, est une nation qui va disparaître. Toutes les grandes nations ont opéré leur révolution grâce aux intellectuels. Ou, j'ai envie de dire, grâce aussi aux intellectuels. Les intellectuels doivent être la locomotive de la révolution culturelle, sociale d'un pays. C'est aux intellectuels de faire le boulot et d'être accompagnés par les autres. L'intellectuel, c'est qui? C'est celui-là qui, par son bagage, par son parcours scolaire et aussi extrascolaire, par ce qu'il se forge lui-même, a un niveau de discernement nécessaire pour pouvoir déchiffrer le vrai du faux. C'est ça l'intellectuel à mon égard. Et donc, tous les lanceurs d'alerte, les blogueurs, les leaders d'opinion sont des intellectuels. Et ils font leur boulot. Ils font leur boulot. Ils doivent faire leur boulot. Et ceux qu'on appelle classiquement des intellectuels, de par leur parcours académique, font aussi leur boulot et doivent faire leur boulot. Et ils ont en plus l'avantage d'avoir quelque chose qui ne s'acquiert pas simplement par la force d'une action ou par la durée d'une action. Cela ajoute donc un plus à la qualité de l'intelligentsia générale de tout le monde. Et ils doivent être les leaders de la contestation structurée d'une action. Et le prophète Jean Baïbec fait partie de cette catégorie à laquelle je me revendique très humblement. Et c'est pour cette raison que je m'adresse principalement à lui, mais en fait, je m'adresse à tout le monde. Et je voudrais donc dire à Jean Baïbec, cher ami, cher aîné, parlons un peu de la FECAFOOT. Parlons un peu du patron de la FECAFOOT. Parlons de lui par rapport à l'idéal social, sociétal, politique qu'une nation comme le Cameroun, qui est en lambeaux et qui doit trouver la voie pour amorcer sa remontée de l'abîme vers une société à peu près paisible, où il fait bon vivre. Parlons un peu de ça. Parce que quand on nous parle de la sentence ou la décision,
de la CAF. Et que je vois les gens jubilés, et même toi certainement, cher ami, cher aîné, quand je te vois jubilé, parce que il y a eu une décision à minima, on va dire ça, que on ne lui a pas enlevé la FECAFOOT. Je dis, Jean Baïbec, à mon avis, c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? Parce que ce qui est important ici, ce n'est pas la conservation ou non de la gestion d'une association qu'on appelle FECAFOOT. C'est pas ça le plus important. Le plus important étant, est-ce que nous sommes dans une société qui prône l'intégrité, qui prône l'éthique, qui prône la morale, ou alors nous sommes dans une société qui a décidé de tourner le dos à la norme et de normaliser l'écart? Parce que quoi qu'on dise, il y a eu infraction. Il y a eu infraction. La CAF reproche au président de la Fédération Camerounaise de football, lui reproche d'avoir posé un acte contraire à l'éthique, à la morale de l'instance fêtière, c'est-à-dire souscrire intuito personae à des jeux qui ne sont pas permis à un dirigeant. Et que le président de la fédération l'a fait. Si on peut même considérer qu'il s'était un peu égaré avec des conférences de presse très pompeuses. On peut imaginer que oui, on s'est peut-être trompé. Mais rapidement, tout de suite après, les gens sont montés au créneau. Ils ont dit, il a fait alors que ça ne se fait pas. Il a certainement eu le temps d'aller regarder les textes de la FIFA et de se rendre compte que ça ne se fait pas. Mais le président de la FECAFOOT a maintenu son contrat, a maintenu ses images dans ses réseaux sociaux. Un peu comme pour dire, la loi c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Professeur Baïbec, l'éthique, la morale, on la met où? Il a fallu qu'il y ait maintenant annonce du procès de l'audience pour que le président FECAFOOT fasse disparaître de son Facebook quelque chose qui est illicite. Et il a donc été sanctionné pour ça. Et que le peuple camerounais, une partie du peuple, à la limite, le félicite pour avoir échappé à la sanction suprême, c'est-à-dire ne plus être au président de la FECAFOOT. Donc c'est ça qui est important. C'est la mangeoire qui est importante. Le reste, c'est un détail. Puisqu'on a vu une journaliste, pour ne pas la nommer, Lille Piedjou, qui nous dit « Les autres ne volent pas ». Professeur Baïbec, vous êtes le porte-parole d'une partie du peuple camerounais dans cette affaire. Un peuple qui vous suit. Professeur Baïbec, dites-leur que on ne peut pas valoriser ce genre de comportement. On ne peut pas prôner l'absence d'éthique et de morale dans une société. On ne peut pas le faire. On ne peut pas justifier
une demi-forfaiture par l'existence de forfaiture entière par ailleurs et fait par d'autres personnes. Ça ne se fait pas. On ne peut pas dire que les autres aussi volent. Les autres aussi font ça. On ne peut pas le dire. On ne peut pas admettre ça. Je tiens à rappeler, cher professeur Baïbek, que Samuel Eto'o fils a déjà son actif de condamnation. Deux condamnations. Et avec de multitudes de procédures, de procès engagés contre lui en si peu de temps. Il a été condamné par le fisc espagnol. Doit-on considérer ça comme une vertu? Il est condamné par la CAF. Et quand je dis condamné, avec sanction, $200,000 à payer, c'est une sanction. Comment peut-on supporter un homme qui se veut porte-parole, espoir d'une jeunesse, mais qui a un casier judiciaire sali? Comment, dans quelle société peut-on prôner ça? Comment peut-on prôner la violence? Les gens savent nous mettre sur la place publique la remise de prix. Récemment, certainement, pour un prix qui a quand même un rapport avec la paix. Oui. Nous sommes une société qui va mal. Parce que, à propos de paix, à propos de promotion du vivre ensemble, comment peut-on justifier qu'un homme de premier plan, comme Samuel Eto'o, puisse être violent, puisse boxer un Algérien, puisse menacer un Belge et le représentant du ministre? Comment peut-on prôner ça, Monsieur Jean Baïbek? Monsieur Jean Baïbek, notre estime pour un individu, pour quelqu'un qui a beaucoup fait pour la nation en termes de représentativité, notre amour pour la personne ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il n'y a rien de plus important qu'une nation, qu'un pays. Il n'y a rien de plus important. Et les symboles sont importants. Les symboles de promotion de la vertu, de l'éthique, de l'équité, de la justice, de la bonté. On ne peut pas s'asseoir sur ça. S'asseoir sur ça, c'est s'asseoir sur la mémoire de nos nationalistes camerounais qui se sont battus pour un Cameroun prospère, pour un Cameroun uni, pour un Cameroun vertueux. Et pour ça, Jean Baïbek, qui mieux que toi, UPCiste fondamentaliste, qui est le garant de la mémoire des Oumyobé, Ernest Wandje, Félix Moumier? Tu penses que Oumyobé aurait validé, supporté Samuel Eto'o qui déclare être à vie avec M. Paul Biya? Jean Baïbek, dis-moi un peu. Dois-je te rappeler, Jean Baïbek? Non, je pense que vous avez... Attendez, je vais mettre... Je pense qu'il y a un peu plus...
la lumière là, je pense que la lumière là. Alors, je vais peut-être changer de, je vais changer de position parce que là, vous voyez pas bien. Je suis pas sûr que la lumière. Alors, je me mets là, voilà. Dois-je te rappeler, Jean Baïbec? Dois-je te rappeler que Monsieur Paul Biya est la continuité d'Amadou Ahidjo? Paul Biya a succédé par un mécanisme de gré à gré à Amadou Ahidjo. Et que Amadou Ahidjo est le bourreau de Oum Niobe, d'Ernest Ouandié, Félix Moumier. J'espère que tu le sais. Et donc, Amadou Ahidjo est celui qui a tué l'UPC. Et Paul Biya est le produit d'Amadou Ahidjo et d'Ojoula. Samuel Eto'o est le fils de Paul Biya. Ce qui veut dire que par mécanisme de récurrence et de reproduction des semblables, Samuel Eto'o ferait exactement la même chose qu'Ahidjo. Exactement la même chose que Paul Biya. C'est-à-dire être dans la continuité de la gouvernance du régime qui tue les Camerounais. Et par ces actes qui sont quand même, sont toutes des actes répréhensibles. Il a été condamné deux fois. C'est une condamnation, Monsieur Jean Baïbec. Samuel Eto'o est jugé coupable par la CAF. Et moi, je voudrais que tu expliques ça en français facile à ceux qui croient en toi, qui ne jurent que par toi. Parce que tu as une voix qui porte. Et tu dois pouvoir mettre le Cameroun au-dessus de toute considération partisane. Tu dois pouvoir le faire. Si tu ne le fais pas, c'est que tu auras loupé le coach et tu auras marqué d'une empreinte indélébile, mais pas propre, l'histoire de ce pays. Parce que nous sommes dans un pays où le niveau de compréhension, le niveau de discernement du peuple camerounais, il est bas, il est très bas. Et toi, plus que moi, plus que quiconque, peut aider ce peuple à avoir une jugeote. Ce qui se passe n'est pas bon. Ce que l'opinion publique internationale va retenir, c'est que un footballeur international, l'un des meilleurs joueurs africains et même du monde, M. Samuel Eto'o, a été condamné par la justice sportive de la CAF. Condamné. Je dis bien condamné à payer une amende pour fraude de l'éthique, de la morale, pour non-respect des statuts. Et si on va détailler cette histoire, c'est que Eto'o l'a fait intentionnellement. Parce qu'il savait que ça ne se fait pas. Il l'a fait. Et il a cru que son aura, son entregent, peut lui permettre d'être au-dessus des lois. Il est déjà au-dessus des lois camerounaises. Parce que c'est l'ami
de ceux qui font la loi au Cameroun. Et qu'au Cameroun, c'est une histoire de longs bras. Et il a cru que ces longs bras peuvent l'amener à être au-dessus des lois de l'instance fêtière, qu'est la CAF, voilà FIFA. Jean Baïbec, ou tu es contre le régime de Paul Biya, ou tu es avec le régime de Paul Biya. Je suis désolé. Tu ne peux pas être contre le régime de Paul Biya et valider ce genre de comportement du fils de Paul Biya. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Cameroun est sali par la voix de son fils, qu'est Samuel Eto'o. Le Cameroun est sali sur la place publique internationale par son fils Samuel Eto'o. Qui a fraudé, qui a fait le voyou, qui a joué au Jambo sans devoir le faire, sans avoir le droit de le faire, il a fait. Et il a mangé l'argent du Jambo pendant longtemps en gardant ses codes et ses, je ne sais pas trop quoi, moi je ne connais même pas ces choses-là du Jambo, sur sa place publique, sur son truc-là, qu'il a retiré, notamment comme un vulgaire bandit, il y a quelque temps, avant d'être auditionné à la CAF. Mais les traces étaient là. La CAF a vu. La CAF a dit, on ne fait pas ça. Et il a été condamné. Je voudrais, monsieur Jean Baïbec, professeur estimé, grand frère, que tu le dises haut et fort. Que tu dises aux églisiens, aux gens qui n'ont aucun repère, qui pensent que le football est même finalement plus important que ton métier, la médecine. Je voudrais que tu dises aux gens qui pensent que parler du foot, vivre foot, construit un pays. Je veux que tu leur dises, les gars, notre cher aimé, notre guide, notre espoir, même comme il a dit qu'il n'y va pas, il a fauté et il a été condamné. Et que ça, ce n'est pas bon. Que ce n'est pas bon. Qu'on ne construit pas un pays avec ce genre de comportement. On ne construit pas un pays avec ce genre de comportement. Je voudrais, Jean Baïbec, que tu prennes tes responsabilités. Que tu prennes tes responsabilités, grand frère. Tu es un homme sérieux. Prends tes responsabilités. Dis au peuple que la nouvelle venue du Caire n'est pas bonne. Parce que quand on voit même l'attitude des journalistes, on ne peut plus compter sur eux. Je vous dis encore que Lille Piedjou, excellente journaliste de Canal 2, nous explique que il y a une victoire du camp des Églisiens au Caire et que Eto'o n'est pas le seul à être dans la frappe. Quel message, peuple camerounais. Jean Baïbec, je termine en laissant la parole à mon estimé Douala Ngando. Je termine en te disant, cher aîné, cher aîné, l'histoire nous parle. L'histoire va retenir. L'histoire va juger. Ne soyons pas du mauvais côté de l'histoire. Ne soyons pas du mauvais côté de l'histoire. Laissons la passion, le tribalisme, le fanatisme de côté. Il s'agit du Cameroun. On ne peut pas reprocher à M. Paul Biya et sa bande une chose et accepter la même chose pour d'autres personnes qui plus d'ailleurs appartiennent à la même famille. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Oumiobé est mort à cause de Paul Biya, car Paul Biya est le produit d'Amadou Ahidjo. Et Eto'o fils dit
et se comporte comme étant le digne fils de Paul Biya. Jean Baébec, tu ne peux pas valider ça. Tu ne peux pas valider ça. Ce n'est pas possible. Douala Ngando, vas-y. Oui, bonsoir. Donc, bonjour, bon numéro. Merci d'avoir poussé ce, je ne dirais pas un coup de gueule, vraiment cet appel que nous, dont je joins ma voix. Parce que le professeur Baébec, c'est l'un des rares avec vous et puis la petite équipe que vous voulez former avec, avec le docteur, comment on appelle encore là, Nkey. Oui, le docteur Nkey. Vraiment, cette sortie du docteur Baébec nous pose souvent des questions. On se dit, mais lui, il est un prof calé. Parce qu'un professeur, c'est ce qui nous amène à vous écouter. C'est-à-dire qu'il y a un discernement, il y a l'objectivité, il y a cette force de ne pas se laisser entraîner par un ouragan. Quand il y a une information, il faut essayer de sortir de la rivière. De l'émotion. Voilà, exactement. C'est comme si nous sommes embarqués dans une rivière et ceux qui sont dans la rivière veulent commenter ce qui se passe. Le professeur, c'est quelqu'un qui sort de la rivière, se met au bord de la rivière, regarde ce qui se passe. Et là, il peut en parler avec toute objectivité. Mais je sais, parfois, le professeur Baébec, il passe souvent dans ces emboulés-là et il dit des choses. Et nous, ça nous inquiète souvent. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, Aïdjo a tué les Oubniobé. Et Paul Biya est venu assassiner l'UPC. C'est Paul Biya qui a déchiqueté l'UPC comme on le voit aujourd'hui là. Donc, il ne peut pas venir dire que le fils de papa, c'est quelqu'un qu'on peut, pour une raison ou une autre, on ne peut même pas s'imaginer de supporter cela. Non, ça, ce n'est pas acceptable. Mais au-delà de ça, il y a la CAF. Pourquoi la CAF, pour un tel geste? Parce que vous l'avez bien, le président Samuel Eto'o savait que ce qu'il faisait n'était pas bon. C'est parce que quelqu'un peut faire quelque chose par erreur, on peut faire une bêtise par erreur. Mais oui, mais là, ce n'est pas une erreur. Il savait, on le lui a dit, que ça ne se fait pas. Mais il a quand même fait. Mais quels sont donc ces longs bras qui amènent les gens? C'est-à-dire qu'il s'est dit, peut-être que lui, il est avec ceux qui ont la main basse sur le Cameroun et que c'est ces gens-là qui ont intervenu pour qu'on lui donne juste une sanction aussi légère par rapport à l'acte qu'il a posé. Parce que je dis, ceux qui ont mis la main sur le Cameroun sont certainement ceux qui ont permis d'adoucir ces sanctions-là. Parce que autrement, je ne vois pas. Parce que déjà, il faut toujours le dire. Si nous, j'ai suivi votre live la dernière fois, mais je n'ai pas voulu intervenir parce que c'était vraiment très profond ce que vous disiez. Il nous faut mener des actions réelles contre des personnes et non contre des organismes, parce que les gens se cachent derrière les organismes pour nous faire beaucoup de mal. Vous avez la plainte que vous avez graissée contre le doyen de Douala. Et si vous portez plainte contre l'université, ça ne servira à rien. Il faut porter plainte contre les personnes individuellement. Et là, je le dis comme ça, en revenant au professeur Baébec, pour demander au professeur Baébec, est-ce que depuis que Oumniobé a été tué, est-ce que depuis qu'on a empoisonné Moumier et tout ça, est-ce que le président Paul Biya a porté plainte contre ceux qui nous ont tués? Dans tous les pays du monde, on voit que les nationalistes ont leur statut, ils ont leur mausolée, ils ont leur truc. Nous, au Cameroun, nous n'avons rien. Que le professeur Baébec ne s'hasarde pas à dire qu'on a oublié ou bien non. Vraiment, nous le respectons beaucoup. Parce que c'est une voix qui porte dans notre pays. Et il faut qu'il ne s'amuse surtout pas à laisser cette distraction venir, comme vous l'avez dit, effacer une fonction aussi, pas honorable, mais une fonction aussi vitale qu'est la médecine, au point où on est en train de nous faire croire que le chirurgien, le médecin, le docteur doit être en train de commenter les bavures du petit garçon qui court derrière le ballon avec une culotte. Non, faut vraiment, j'ai tenu à intervenir là aujourd'hui pour joindre ma voix à votre appel,
que si le professeur Baïbéry, vous, je sais qu'il vous écoute parce que c'est vous êtes dans la même, vous avez la même veine, qu'il montre vraiment qu'il nous a écoutés. Car après tout, dans la vie, c'est l'écoute, hein? Il n'y a pas autre chose. Voilà ce que Absolument. je voulais ajouter. Voilà Merci. pour votre pause. Merci. 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 Merci bien. Allez, à Oui. bientôt. À bientôt. Bon après-midi, donc. OK. Donc, Dwalangando a résumé très bien ma pensée, qui veut que nous avons le devoir, nous, les personnes qui veulent parler, nous, les lanceurs d'alerte, nous, les blogueurs, nous, les leaders d'opinion, nous, les intellectuels, nous avons le devoir de faire une analyse froide des événements, de les contextualiser et de passer des messages simples, clairs, à l'adresse d'un peuple passionné, sans repère, parfois de mauvaise foi, mais une mauvaise foi qui n'est pas indélébile, qui n'est pas intangible, qui n'est pas forcément irréversible. C'est à nous d'éduquer. C'est à nous de ne pas faire l'économie de la bonne parole. C'est à nous de faire la synthèse entre le passé et le présent pour une prospective. Si on le fait dans le contexte actuel et dans l'histoire de ce football, des enjeux et des acteurs, on ne peut pas raisonnablement être un supporter inconditionnel du président de la Fédération Camerounaise de football. Parce que il pose des actes qui sont répréhensibles, des actes qui auraient condamné n'importe qui d'autre. Et ensuite, il a un positionnement qui, sur le plan historique, ne plaide pas en sa faveur. Le Cameroun a une plaie béante, celle d'avoir sacrifier ses nationalistes, celle d'avoir vendu son pays à la France, notre bourreau, et toutes les personnes qui ont l'onction de la France ne peuvent pas être les amis du peuple. Aïe, Diop. N'est pas un ami du peuple. Paul Biya, son successeur, pas un ami du peuple. Il ne défend pas le peuple. Et toute personne bénéficiaire des avantages de Paul Biya et qui se réclame créature de M. Paul Biya ne peuvent pas être des amis du peuple. Jean Baïbec pousse ta méthodologie, ta rigueur, du grand scientifique, du grand chirurgien que tu es, pousse-la le plus loin possible et tu verras que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si par extraordinaire on donnait le pouvoir à Samuel Eto'o, il est clair que le Cameroun va continuer à s'enfoncer et le Cameroun va avoir une dictature beaucoup plus violente que celle de Paul Biya. Si on s'en tient au comportement du personnage. C'est ça que tu veux, Jean Baïbec. C'est ce Cameroun que tu veux? Je ne pense pas. Prenons simplement les résultats de la gestion de M. Samuel Eto'o. Prenons simplement le constat des rapports
Samuel Eto'o à son environnement depuis toujours. Imaginons maintenant ce personnage à la tête de l'État, comme le souhaite Morticus, tous les Églisiens. Prenons ça par mécanisme de récurrence. Et tu sais qu'en science, la récurrence, elle est fondamentale. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Imagine donc le Cameroun dans quelques années avec à la tête ce monsieur. Paul Biya ne donnait pas les coups de poing. Je tiens à rappeler ce peuple camerounais. Paul Biya ne donnait pas les coups de poing. Au contraire, il encaissait les coups de poing. Aïssi Mbondo, un des barons du régime d'Amadou Ahidjo, avait giflé Paul Biya. Giflé, Paul Biya n'a pas répondu, il n'a pas réagi. Paul Biya. C'est lui qui aujourd'hui gifle 30 millions de Camerounais. Imagine donc Samuel Eto'o, le gifleur de l'Algérien, le presque boxeur de la brocante belge, le têteur de Ntolo. Imagine ce monsieur a tout dit. Jean Baïbec. Toi, tu dois faire cette prospective que les affamés là, ceux qui m'insultent sur les réseaux, ceux qui n'ont même pas mangé, qui n'ont même pas mangé depuis une semaine, mais qui en sens quelqu'un qui mange 20 fois par jour et qui vous dit, moi je suis avec Paul Biya, imagine. C'est toi qui dois leur expliquer. Parce que moi, de toute façon, ils ne font que m'insulter. Toi, Jean Baïbec, tu dois expliquer à ces analphabètes, ces illettrés, sans discernement, à cause de Paul Biya. Parce que c'est l'éducation que Paul Biya, à travers son ministre Famé Ndongo, donne au peuple. Tu leur dis que le fils de Paul Biya est pire. Il est pire. Il a déjà été condamné deux fois. Condamné deux fois. Donc, casier judiciaire, pas propre. On ne peut pas. Hein, Jean Baïbec? Moi, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et j'attends ta réaction. Ok? Pas celle des affamés qui n'ont rien compris, qui ne comprennent rien. Comme, je ne sais pas, c'est Feno qui dit pendant qu'Eto écrit son histoire, tout un professeur commente. Jean Baïbec, c'est à toi que je m'adresse. C'est toi qui dois parler à ces enfants perdus. C'est toi qui dois parler. C'est toi. C'est pas moi. C'est toi qui dois leur parler. Parce que dans 5 ans, il sera tard pour eux. Parce qu'ils seront même plus en vie. Ils seront morts dans la décrépitude d'un régime supporté par Eto'o, qui n'a pas pour vocation de donner le souffle de vie, donner de quoi survivre à un peuple. Toi, Jean Baïbec, c'est à toi de leur parler, pas à moi. Moi, je ne parle plus. Je m'adresse à toi. C'est pour ça que c'est à toi que je me suis adressé. OK? Bon, allez. En attendant, je vois mes malades. La pause est finie. Je n'ai même pas mangé parce que je m'occupe d'un peuple qui ne veut pas vivre. Allez, ciao, prof. On se tamponne. OK? Ciao, ciao. Feno, ok, parce que ça m'étonnait quand même de toi, parce que je connais un peu tes positions. Je m'étonnais que c'est toi qui a dit ce genre de choses. Voilà, bon, tu reprends un églisien. Ok, très bien. Chacun de nous a sa partition à jouer, Chacun de nous doit pouvoir effectivement éduquer. Et toi, Feno, je sais que
Voilà, tu as plutôt les positions, enfin, à mon humble avis, des positions qui sont plutôt les bonnes, vertueuses et tout. Donc, j'étais un peu surpris. OK. Voilà, alors, il y a qui d'autre encore qui, au moins, dans cette année, va devoir voir sa gestion de ses excès. Oui, espérons qu'il va réduire ses excès. Lui-même peut-il faire confiance à un médecin sans éthique? Ce type de ben, éthique est la base. Alors, bon, allez. Ciao, ciao, les amis. À bientôt.